Bonjour tout le monde, ça ne sera pas très long. On s'installe, on est en rencontre non filmée de l'autre côté. Le temps que l'ensemble du conseil arrive, on va débuter la séance. Il y a quelques trois personnes parmi nous en direct sur le web. Donc, Monsieur Parent. J'aimerais bien les aider, là, mais... Ça marche pas. Je suis désolée. On vous entend, Madame Leblanc? Ah, désolée, c'est que vous ne me voyez pas, je crois. Non. Bon, on peut quand même y aller comme ça, si ça vous convient. Si vous nous entendez, puis on vous entend, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir. Désolé, ma caméra est ouverte, puis vous ne me voyez pas. Allons-y comme ça, ça va bien aller. OK. Donc, si vous le voulez bien, on va débuter la séance publique du conseil municipal de Carleton-sur-Mer, du lundi 6 juillet 2020. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a un point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020. 3, dans les dossiers de la mairie, on a en 3.1 le rapport du maire sur les faits saillants et des états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant. En 4, dossier de la direction générale, 4.1, désignation du responsable des services électroniques pour l'inscription à Clic Sécure. 4.2, rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle 2019. 5, dossier de la trésorerie, 5.1, compte à payer au 30 juin 2020. 5.2, état des activités d'investissement au 31 mai 2020. 5.3, programme supplément au loyer 2017-2018-2019. 5.4, désignation d'un nouvel administrateur principal pour accéder à faire. 6.1, on aurait demande de variation budgétaire. Dans 6, les dossiers du greffe, pardon, il y a comme un petit 6.1, on a la variation budgétaire 2020-2021. Dans 6.2, l'entente pour le prêt d'un bâtiment excédentaire au club de motoneige Mont-Carleton. 7, les dossiers de l'urbanisme, on a le dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 22 juin dernier. 7.2, demande de dérogation mineure au 47 rue de la Gare. 7.3, demande de dérogation mineure au 1657 boulevard Perron. 7.4, demande de dérogation mineure 126 rue Nadeau. 7.5, demande de dérogation mineure au 249 rue Jean Landry. 7.6, demande de dérogation mineure au 848B et 850 boulevard Perron. 7.7, avis de motion règlement pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 7.8, adoption projet de règlement 2020-340 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 7.9, participation au projet de forêt nourricière à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, on a l'autorisation de signature pour l'installation de bornes de recharge rapide. 8.2, achat de voiles d'ombrage. 9, dans les dossiers de loisirs, culture et vie communautaire, à 9.1, offre de services pour recommandation pour l'installation d'un système de traitement des eaux usées au centre de plein air Les Arpents Verts. Dans les dossiers des travaux publics en 10, on a 10.1, octroi de contrat de service pour la collecte et la disposition des eaux usées au camping municipal.
10.2, demande d'analyse, feu de circulation au coin du boulevard Perron et de la rue du Quai. Ensuite, on serait à 12, prochaine séance du conseil, 13, autres sujets, 14, tour de table du conseil et 15 périodes de commentaires et de questions et finalement, 16, la levée de la séance. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons y aller avec le point 2.1. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020. Tout le monde l'a reçu. C'est conforme à nos discussions. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. Ensuite, on serait au point 3, dossier de la mairie. On a le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers et sur le rapport de l'auditeur indépendant. C'est un document qui doit être déposé à chaque année, en fait, suite au dépôt des états financiers. Il y a eu des changements. Là. Historiquement, il y avait un rapport du maire qui était fait au dépôt du budget. Maintenant, avec les changements, différents changements réglementaires, on a changé ça. Puis maintenant, c'est déposé aux états financiers. Donc, je peux vous en faire lecture. C'est un document qui est plutôt simple. Là, là, c'est la première année qu'on le faisait. Dans les prochaines années, on va le déposer en même temps que les états financiers. Mais essentiellement, on reprend ce qui a été dit dans les états financiers, à savoir le déficit qui est prévu, pas le déficit, c'est-à-dire le surplus qui était prévu qui a été fait pour l'année 2019. Je peux vous le lire rapidement ou en tout cas certains passages. Seconde. Donc, ça va comme suit. Mesdames, messieurs, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la ville de Carleton-sur-Mer au 31 décembre 2019. On parle des états financiers consolidés et non consolidés. Non consolidés, c'est les états financiers de la ville en soi et les états consolidés, bien, ils intègrent la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC qui gère notamment le golf et le Quai des Arts qui s'ajoute. Donc, ce qu'on dit, c'est les chiffres qui ont été présentés il y a quelques semaines. Donc, les revenus de fonctionnement non consolidés, donc seulement pour la ville, pour l'exercice, c'est terminé au 31 décembre 2019, s'élevait à 8,26 millions de dollars. Les revenus de fonctionnement non consolidés réalisés pour 2019 ont finalement été de 8,57. Donc, un petit peu plus que le budget prévu. Et le surplus non consolidé a été de 94 581 $. Au niveau des états financiers consolidés, qui intègrent ceux de la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC et du Quai des Arts, le surplus a diminué de 31 943, donc pour s'établir à un surplus en fin d'année de 62 638. Ce surplus s'explique entre autres par un contrôle rigoureux des dépenses et par des revenus imprévus au niveau des redevances versées par la Régie de l'énergie éolienne de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Ensuite, on parle un peu de gestion de la dette dans sa planification stratégique. La ville pour 2020-2024, le conseil municipal s'est donné pour objectif de maintenir le développement de la ville tout en diminuant son endettement, qui est important. En 2019, le montant à la charge de la ville est passé de 16 445 514 à 15 916 300 au 31 décembre 2019. Donc, on est toujours en voie de respecter nos objectifs de diminution de la dette de 2,5 millions d'ici 2022, donc en 3 ans. Ensuite, les investissements, on parle des différents investissements qui ont été faits durant la dernière année pour poursuivre le développement. On en a des investissements en immobilisation pour 1 382 420 $ en 2019. Essentiellement, c'est l'acquisition de logiciels pour la gestion du conseil sans papier puis la gestion des actifs, acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie, aménagement dans le développement du quartier espace nature, conversion du système d'éclairage public au DEL, acquisition d'une voiture électrique et aménagement d'un stationnement électrique, construction d'un bâtiment sanitaire pour desservir les terrains sportifs, projet de développement du camping, entre autres la conversion des douches, les aménagements des sites, des abris-cuisines, etc., qui vont permettre. Si vous le remarquez, là, la plupart de ces projets vont permettre soit de diminuer nos dépenses ou encore d'augmenter nos revenus les derniers investissements qui ont été faits. Donc, c'est ce qui complète essentiellement le rapport, ma présentation du rapport qu'on doit entériner ce soir. Rien de nouveau, là, je le répète, là, suite au dépôt des états financiers qui ont été faits il y a quelques semaines. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour déposer ce rapport. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup.
En point 4, dossier de la direction générale, on a la désignation du responsable des services électroniques pour l'inscription à Clic Sécure. Donc, c'est les différents dossiers en ligne, en lien avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est pour désigner M. Antoine Audette, directeur général, à signer au nom de la Ville tous les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure et que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure. Donc, ça fait suite au départ notamment de Mme Micheline Leblanc et à l'arrivée de Mme Hélène Forêt à la trésorerie. Là, on a fait des petits changements au niveau des accès pour régulariser le tout. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. 4.2, rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle 2019. Donc, ça aussi, c'est un document qui nous est exigé, qu'on doit déposer à chaque année. En fait, qui fait état de l'ensemble des contrats qui ont été donnés par la Ville depuis quelques années, 2 ans environ ou 3, maintenant pour les règlements d'emprunt, pour les contrats, c'est-à-dire entre 25 000 et autour de 100 000 $, là, c'est le seuil décrété par le ministre. On n'est plus obligé d'aller en appel d'offres. On peut faire des contrats de gré à gré, mais on se doit chaque année de venir présenter l'ensemble des contrats qui ont été octroyés. Et donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Les membres du conseil ont reçu ce rapport de la gestion contractuelle-là. Les grandes lignes, là, je peux vous les nommer rapidement. Donc, on a divisé les contrats qui ont été faits sur invitation, donc avec 2 fournisseurs ou plus. Donc, on est allé demander des soumissions auprès de certaines personnes qui ont été ciblées pour des montants donc entre 25 000 et 100 000. On avait un contrat à JAL Nadeau pour le transport de pierre pour 30 708. Contrat à construction scandinave incorporé pour la construction du bâtiment sanitaire qui est là où est le terrain de soccer et le terrain de balle-molle, 60 350. Contrat à plomberie du B pour l'installation des douches payantes au camping, 41 590. Contrat de rénovation pour la toiture Charles Dugas, construction scandinave incorporée pour 49 777. Ensuite, on a certains contrats de gré à gré, donc qui est en bas de 100 000, on peut le faire maintenant. Ce qui, dans certains cas, bien, facilite, accélère le processus, mais nous assure aussi de pouvoir travailler avec des entreprises locales notamment. Fait que ça nous permet un petit peu plus de latitude. On a donc le contrat de vérification générale de la Ville qui est octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Après ça, contrat Eurovia Québec Construction pour le pavage dans différentes rues là, pour 93 548. Différents contrats pour l'agrandissement du camping de la Ville, entre autres avec Jean Guissier pour l'électricité, 83 199. L'amélioration du système Wi-Fi au camping avec informatique Gilles Bugeaud pour 33 871. Remplacement des poubelles au camping, BA Metal pour 40 000 $. Et l'achat d'un mini chargeur souffleur à la Matapédienne pour 89 600 $. Puis ensuite, on a la liste des contrats qui sont supérieurs à 101 100 $ qui ont été donnés via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc, on a, c'est des gros contrats, là, l'achat d'appareils de protection respiratoire pour les services incendies, tout le quand on a converti le système d'éclairage au DEL. Contrat d'assurance sur 5 ans avec BFL Canada. Et puis, voilà, pour le reste, ça fait le tour des contrats qui ont été octroyés pour l'année 2019. On respecte évidemment notre règlement sur l'octroi de contrat. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Steven Parent, merci beaucoup. Ensuite, dossier de la trésorerie en 5, on a en 5.1 les comptes à payer au 30 juin 2020. Donc, les membres du conseil ont reçu l'ensemble des comptes à payer. Il y a Mme Leblanc qui se retire de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Dans ce dossier-là, ce mois-ci, on en a des comptes à payer, des factures qu'on doit payer de 364 404 et des factures qui ont déjà été payées. Donc, c'est du courant, notamment l'électricité, les assurances, la paye des employés pour 201 826, qui totalise 566 231. Donc, si ça vous convient, c'est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. David Landry, merci. 5.2, état des activités d'investissement au 31 mai. Donc, ça, c'est toutes les dépenses d'investissement en immobilisation qui ont été faites en date du 31 mai 2020.
Il y en a pour un total de 182 121,87, très exactement. Ce qui a été fait, il y a eu de l'achat d'équipements informatiques et de bureaux pour 2 600. On a acheté un logiciel qualité-service pour 5 835. Donc, c'est vraiment l'année 2020 sous la thématique au niveau des ressources humaines dans la ville du service à la clientèle. Donc, entre autres, on s'est doté d'un logiciel pour pouvoir améliorer nos suivis puis nos échanges avec l'ensemble de la population. Site web du Quai des Arts qui a été fait pour 1 554. On a l'achat des mâchoires de vie pour le service incendie pour 44 063. On a des frais d'ingénieurs et d'architectes pour tous les plans pour déposer le projet de réfection de l'aréna. On a pour 39 811. Piste cyclable au Parc des Horizons, les dernières améliorations qui ont été faites, 11 851. Mobilier urbain au Parc des Horizons, 372 $. L'agrandissement du camping, on poursuivait nos travaux pour le mois de mai, on avait pour 70 775. Et quelques éléments au Quai des Arts, l'achat de matériel électronique, un écran défibrillateur. Donc, ça fait au total le montant que je vous disais, 182 121,87. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter ces activités d'investissement. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Ensuite, programme de supplément au loyer en 5.3 2017, 2018, 2019. En 2017, la Ville s'est engagée, on a signé une entente avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et notre office municipal d'habitation, l'OMH, qui s'appelle l'OMH Carleton-Saint-Omer. Et on a des loyers privés chez des propriétaires qui sont maintenant considérés comme qui ont accès au programme de supplément du loyer. Ce que ça fait, c'est que la personne qui habite dans ce loyer-là, logement social, va payer un pourcentage, je pense que c'est 40% de son salaire qui va être utilisé pour payer son loyer. Et l'écart entre le coût réel du loyer et le coût payé est absorbé par la société d'hypothèque et la société d'habitation, pardon, et la ville. Donc, on se doit de payer 10 % Normalement, ça doit nous être facturé mensuellement. Il y a eu une erreur de la part du groupe Ressources en logement collectif. Ils se sont rendus compte qu'ils ne nous avaient pas facturé donc pour les 3 années de cette entente-là. Ça totalise 21 192,77. Donc, nous, c'était prévu au budget à chaque année là, suite à la signature de cette entente-là. Et donc, on maintiendrait... donc, ça me prendrait une proposition pour... adopter cette dépense-là pour octroyer, pour payer cette dépense-là. Donc, 21 192,77. Ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Turcotte, merci. 5.4, désignation d'un nouvel administrateur principal pour accéder à faire. Donc, encore, ça, c'est suite à l'arrivée de Mme Forêt au niveau de la trésorerie. La présente résolution, c'est pour autoriser Mme Forêt à être désignée administratrice principale pour pouvoir utiliser le système accéder à faire. Puis aussi, en même temps, bien, on retirerait l'accès qui était donné à Mme Sylvie Bernard à titre d'administratrice principale. Donc, Mme Bernard étant maintenant à la retraite, on pourrait retirer son accès. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour régulariser tout ça. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. 6.1, demande de variation budgétaire 2020-01. Il y a un autre point là, qui est en lien avec ça, un petit peu plus bas, là, un octroi de contrat à Environnement Leblanc. En fait, c'est un dossier là, qu'on vous avait parlé à la dernière réunion publique pour ceux qui y étaient. Donc, il y a une citerne qui a été installée, qui est en place là, tout près du garage au camping municipal. On a des problèmes d'égout au camping. Avec le réseau. Donc, on a voulu réparer le réseau. On n'a pas eu le temps de le faire avant la saison. Donc, pour ne pas prendre de chance, ce que le conseil a choisi de faire, c'est d'installer cette citerne-là qui va permettre de capter les eaux, les égouts en fait, du camping pour aller les porter directement dans notre réseau un petit peu plus loin. Et donc, ça a entraîné des coûts supplémentaires qui n'étaient pas prévus au budget. Donc, la présente variation budgétaire, c'est pour prendre un montant de 40 000 $ qui était dans la vente d'actifs. Donc, au budget, la vente d'actifs, c'est ce qu'on prévoit de vendre quand on vend des terrains. Ça peut être de l'équipement. Donc, on avait un surplus budgétaire à ce niveau-là. On prendrait un 40 000 puis on mettrait dans le poste
pour l'entretien de notre réseau d'égouts. J'ai perdu mon accès. Je vais me reconnecter dans deux petites secondes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette variation budgétaire. Monsieur Jean-Simon Landry, merci beaucoup. Ensuite, on serait au point 6, dossier du greffe. 6.2, entente, 6.2, entente pour le prêt d'un bâtiment excédentaire au club motoneige Mont-Carleton. C'est une demande qui nous a été formulée par le club. La ville a un bâtiment sur la rue qui mène au sentier des Éperlans, notamment aux différents sentiers pédestres. On a un ancien bâtiment qui était utilisé pour nos traitements de l'eau, pour le pompage de l'eau, mais maintenant qu'on n'utilise plus le réservoir qui est dans le sentier des Éperlans, on n'a plus besoin de ce petit cabanon-là. Donc, ce qu'on ferait avec la présente entente, c'est signer, donc c'est de l'offrir gratuitement au club de motoneige. Ils vont pouvoir entreposer des piquets, notamment. Ce qu'on demande, c'est une preuve d'assurance du club. Et nous, c'est une entente qui est d'une durée de un an, qui se renouvelle automatiquement, puis qui peut être annulée à 3 mois d'avis par une des deux parties, soit la ville et le club, si on souhaite changer cette entente-là. Donc, avec cette présente résolution-là, on vient accepter de prêter le bâtiment excédentaire au club et on autorise notre directeur général et greffier, M. Audette, à signer le protocole d'entente avec le club. Ça vous convient? J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Steven Parent. Merci. 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, on a le procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 22 juin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter, ou c'est simplement un dépôt du procès-verbal de la rencontre là, qui a été remis à l'ensemble des membres du conseil. Maintenant, on a quelques demandes, plusieurs demandes de dérogation mineure ce mois-ci. Donc, on va y aller une à la fois. Je demande à M. Audette de nous présenter un peu l'objet de la demande. Et puis, ce soir, on va aussi faire une consultation publique sur ces demandes-là. Donc, les points, il y a toujours une période de questions à la fin de la séance publique. Dans le cas des dérogations mineures, si vous avez, pour les gens qui sont en ligne avec nous, si vous avez des questions précises sur ces demandes-là, bien, vous pouvez nous les poser directement dans la section questions-réponses et je suis en train de répondre du mieux que je peux. Donc, je laisse M. Audette aller avec le point 7.2 pour la dérogation mineure au 47 rue de la Gare, le lot 3 540 402. Oui, donc je vais faire un partage d'écran pour les gens. Mapping. Donc voilà, vous voyez bien là, ce plan-ci, en fait, qui se trouve être la maison avec un bâtiment projeté. Donc voilà, là, simplement ici, c'est une demande de dérogation qui consiste à accepter une construction d'un garage qui aurait une superficie de 62,4 mètres carrés, alors que le règlement zonal prévoit une superficie maximale de 60 mètres carrés. Puis, dans le fond, c'est lié à une problématique. Le terrain, vous le voyez, là, le terrain ici, il y a 1440 mètres carrés. Jusqu'à 1500 mètres carrés, les bâtiments, là, les bâtiments secondaires, garages, vont être de 60 mètres carrés. Et à partir de 1500 mètres carrés, les bâtiments peuvent être jusqu'à 110 mètres carrés. Et là, vous voyez, le propriétaire demande d'avoir un bâtiment qui est de 2,4 mètres carrés plus que la norme. Mais si son terrain avait 60 mètres carrés de plus, il pourrait le faire de 110 mètres carrés. Donc, c'est la situation. C'était analysé par le comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions au fur et à mesure ou simplement à la fin? Oui, peut-être avant de l'adopter, j'irai avec les questions. C'est sur ce point spécifique-là, est-ce qu'il y a des gens en ligne, si vous avez des questions sur cette demande de dérogation mineure-là, vous pouvez soit les écrire ou soit les écrire, tout simplement. Sinon, s'il y a des questions qui arrivent un petit peu plus tard, effectivement, là, je pourrais y répondre. Là, je n'en vois pas pour le moment, donc on pourrait y aller avec cette première demande-là. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Ensuite, la deuxième demande de dérogation mineure en 7.3, c'est pour le 1657 boulevard Perron, lot 4 542 685. Je laisse M. Audet présenter cette demande-là. D'accord. Donc, c'est une demande là, qui consiste à accepter
la profondeur d'un emplacement qui est de 35,22 mètres carrés, alors que le règlement de lotissement prévoit une profondeur minimale de 60 mètres carrés. Donc, on le voit, c'est des terrains qui sont de forme, sont très grands, de forme rectangulaire. Et il y a un permis de lotissement qui a été délivré sur ce lot. Donc, étant donné aussi considérant que le lot a une très grande superficie au niveau de sa largeur, qui compense en partie là, pour sa plus petite profondeur, le CCU recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure concernant la profondeur d'un emplacement. Celui-ci est situé au 1657 boulevard Perron, qui est de 35,22 mètres, alors que le règlement de lotissement prévoit une profondeur minimale de 60 mètres. Et on voit sur ce plan-là le bâtiment qui est projeté. Donc, pour les gens qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions spécifiquement à cette demande de dérogation mineure-là? Non, on pourrait y aller avec l'adoption. Je vois pas de questions. On pourrait toujours les poser dans les prochaines minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution, cette dérogation mineure. Proposé par M. David Landry. Merci. Autre demande de dérogation mineure à 7.4, c'est au 126 rue Nadeau pour les lots 3,886,621, 3,886,622, 3,886,624 et 3,887,639. M. Audette, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Oui, donc dans ce cas-ci, là, c'est un terrain qui serait subdivisé en trois terrains. Là, on le voit, la parcelle 1, 2 et 3. Et dans le fond, de créer une rue privée qui serait aussi dérogatoire, dans le fond, mais pour permettre de donner accès à la parcelle 1 au lieu là, de l'enclaver par la création des deux parcelles. Donc, la demande qu'on s'est acceptée, c'est ces demandes-là. Là, ça implique que le lotissement de deux emplacements dont la profondeur serait de 40,7 mètres et 28,9 mètres. Alors que le règlement de lotissement prévoit une profondeur minimale de 60 mètres. On le voit, là, concernant ça, c'est un peu, c'est des terrains qui sont un peu atypiques en termes de conception. Puis le lotissement d'une rue privée là, de 6,71 mètres de largeur, et ça, sans cercle de virage. Habituellement, quand on lotit une rue privée, ça prend un cercle de virage au bout. Dans ce cas-ci, il n'y en aurait pas. Alors que le règlement de lotissement prévoit une largeur minimale de 10 mètres pour une rue privée, exige un cercle de virage de 15 mètres de rayon. Donc, à l'analyse du comité consultatif d'urbanisme, là, considérant qu'il n'est pas possible de régulariser les trois emplacements sans rendre les autres emplacements conformes, on comprend que si on fait ça, en le créant par le lotissement, il faut les rendre conformes à la réglementation. Considérant que cette opération cadastrale améliore la situation de certains emplacements, qui n'aura pas d'impact pour les voisins, le CCU recommande l'acceptation là, des deux demandes de dérogation mineure pour permettre là, le lotissement tel que présenté sur le plan. Voilà pour cette demande-là. Encore une fois, c'est des questions de la part du public. Des gens qui assistent en direct, vous pouvez les poser dans la section questions-réponses sans problème. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter. Proposé par M. David Landry, merci beaucoup. On poursuivrait donc avec la dérogation mineure à 7.5 au 249 rue Jean Landry, le lot 3,547,108. Je vous laisse aller encore, M. Audette, avec cette présentation. D'accord. C'est des cas dérogatoires qu'on tente de régulariser. Celui-ci, là, vous le voyez, c'est un terrain donc, situé comme vraiment à l'extrémité ouest de la rue Jean-Landry, là, dans le secteur où là, il y a des campings et des chalets, après la section asphaltée. On voit le chemin de gravier qui est ici là, avec le chemin de fer. Donc, vous voyez, là, c'est un terrain, là, donc, c'est pour il y a un bâtiment projeté qui est ici, là, et vous voyez la grandeur du terrain, mais avec, entre autres, toute la zone d'érosion et aussi, là, l'éloignement du chemin de fer. Il reste vraiment une toute petite zone où c'est possible, là, de construire le bâtiment.
Fait que la demande, globalement, c'est pour permettre de faire le bâtiment tel que projeté sur le terrain. Donc, la demande, là, plus spécifiquement, elle consiste à accepter les marges est et nord d'un futur bâtiment principal qui serait de 3,55 mètres à l'est et de 12,32 mètres au nord. Alors que le règlement zonal prévoit des marges minimales de 6 mètres à l'est et de 15 mètres au nord. Donc, c'est vraiment là, les marges qu'on voit ici et avec la ligne ici là, qui serait de 12,38 mètres. Donc, à l'analyse considérant que l'espace constructible du terrain est très limité dû aux différentes zones de contrainte, que l'emprise du chemin de fer est très large à cet endroit et que le chemin de fer se trouve à bonne distance de la limite sud de l'emprise. Donc, il y a quand même déjà une bonne distance ici avec le chemin de fer. Et donc, il n'y aurait pas d'impact visuel sur les voisins. Le CCU recommande là, d'accepter la demande de dérogation pour les zones, là, les marges de recul est et nord du bâtiment projeté. Si vous avez des questions, membres du public, là, vous pouvez les poser maintenant encore. Pour situer les gens aussi, c'est un terrain qui il y a quelques années, où il y avait 8-9 roulottes qui étaient là. Maintenant, les propriétaires souhaitent s'implanter un chalet sur ce secteur-là. Donc, je vois pas de questions pour le moment. Donc, on peut y aller avec j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette demande de dérogation mineure proposée par M. Steven Parent. Merci beaucoup. Dernière demande de dérogation mineure ce soir à 7.6. C'est pour le 848B et 850 Boulevard Perron. Les lots 6 129 214, 6 129 215, 6 070 729. Donc, je laisse aller M. Audet. Donc, ici aussi, c'est un projet, là, vous voyez là, sur le plan ici, ces bâtiments-là sont des bâtiments existants. Les deux maisons ici, 848 et 850. On a la boucherie ici. D'Éric Bourg. Donc, le projet, on le voit, ça consiste à créer une rue privée sur le terrain et pour permettre ici, sur ce lot-là, de bâtir une maison qui serait adjacente à une rue privée. Donc, on le voit, là, c'est particulier comme emplacement. Donc, la demande, elle consiste à accepter trois éléments de dérogation. Donc, le lotissement d'une rue privée de 4,58 mètres de largeur, avec un cercle de virage de 10 mètres de rayon, alors que le règlement de lotissement prévoit une largeur minimale de 10 mètres pour une rue privée et exige un cercle de virage de 15 mètres de rayon. Donc, on a une rue privée qui est moins large ici. Là, elle doit passer entre les deux maisons avec un cercle plus restreint. La marge de recul avant-secondaire du bâtiment principal situé au 848 Boulevard Perron serait de 2,36 mètres au lieu de 6 mètres, alors que le règlement zonal prévoit une marge de recul avant de 6 mètres. Puis la marge de recul avant-secondaire du bâtiment principal situé au 850 serait de 4 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge de recul avant minimale de 6 mètres. Au fond, ce qui se passe, c'est qu'en implantant, dans le fond, en faisant le lotissement pour une rue privée ici, ces marges ici des deux bâtiments qui se trouvent être des marges latérales deviennent des marges de recul avant-secondaire parce qu'ils sont situés. Ils deviennent adjacents à une rue privée qui est située ici. Donc, ils se trouvent avec deux marges de recul avant. Donc, la dérogation, c'est pour accepter ces marges de recul-là qui sont plus petites que les marges de recul avant habituelles. Donc, voilà, là, considérant... il y avait déjà une dérogation pour se rendre au 848B. Là. Je pense que c'est pour se rendre à la boucherie qui était déjà dérogatoire. Il y a déjà un accès ici pour se rendre à la boucherie. Il y avait déjà une dérogation sur cette largeur-là d'accès qui avait été donnée. Considérant qu'il n'y aura pas d'impact au niveau visuel, au niveau de l'accès, et qu'il n'y aura pas d'impact sur les voisins, là, le CCU recommande au conseil d'accepter les demandes là, d'écrite de dérogation mineure. Si ça vous va, il y a toujours une période de questions qui est ouverte pour les personnes qui suivent en direct. Sinon, j'aurais besoin, si ça vous convient, pour les membres du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'avis de motion. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. En 7.8, on a l'adoption du projet de règlement 2020-340 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux.
Donc, ça, c'est à la demande des clubs de VTT, club quad et club de motoneige pour régulariser certaines situations, pour permettre notamment l'accès aux stations-service puis aux établissements d'hébergement pour que les VTT et les motoneiges puissent se rendre. Bien, on permettrait sur certaines rues, dans certains secteurs de rues publiques, donc le passage des VHR, VTT et motoneige. Vous avez une liste, en fait, de rues qui sont proposées. Donc, c'est des rues où actuellement, qui sont tout près des sentiers existants. Je vais vous les nommer quand même. On en a plusieurs. Le rang 2, notamment, pour une longueur d'environ 1 km, la route Thibodeau, sur une section de la rue Thibodeau, la rue Como, à partir de la voie ferrée jusqu'à une distance de 0,9 km en direction sud. Pour vous donner l'exemple de la rue Como, qui est peut-être plus connue, donc on part de la voie ferrée, le sentier de motoneige, il longe la rue Como, puis ensuite, où on est secteur du terrain de Balmol, le sentier de motoneige reprend sur des terrains privés ou publics pour avoir accès à station-service. Donc, ça donne une distance de 0,9 km sur la rue Como. On a une certaine partie de la rue de la Montagne, rue de la Gare aussi, sur 0,7 km, chemin à Bouchard sur 1,2 km, la route de l'Éperlan, route Beaulieu qui mène aux Arpents Verts, rue de l'Église, encore une fois pour aller connecter avec la station-service Irving sur 0,4 km, route Saint-Louis, chemin Cyr, et pour la motoneige, Como, Trécarré, rue de la Montagne, chemin Bouchard, route de l'Éperlan et route Beaulieu. Donc, c'est vraiment pour venir régulariser cette situation-là parce que autrement, ce n'est pas permis à l'heure actuelle de circuler avec des véhicules hors route sur nos chemins. Donc, on vient baliser puis pour s'assurer que ça soit fait dans le respect aussi. Donc, voilà la proposition. Une nouveauté aussi, entre autres, qu'on vient régulariser avec ça, c'est notamment la rue de la Montagne. En fait, le Mont-Saint-Joseph, là, pour ceux qui avaient suivi un peu l'hiver dernier, on avait un enjeu de cohabitation entre les différents usagers. À l'heure actuelle, la motoneige n'est pas permis. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des chalets qui accèdent à la montagne par la route principale. Donc, on voulait régulariser cette situation-là. Puis, on va pouvoir aussi, par le fait même, baliser puis mieux encadrer les déplacements, notamment des motoneiges sur le Mont-Saint-Joseph pour avoir une cohabitation avec les gens qui font du plein air, qui vont à pied ou à ski ou à raquette. Donc, ça vous convient pour ce point-là? J'aurais besoin d'une personne pour donner l'avis d'une motion proposée par M. David Landry. Et toujours pour le même projet de règlement, on pourrait en 7.8 passer à l'adoption du projet de règlement. Et donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ça. Proposé par M. Turcotte, merci. Ensuite, en 7.9, participation au projet Forêt nourricière Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Dans le cadre du budget participatif, le projet qui avait reçu le plus de votes, c'était l'éclairage du trottoir de bois, ce qui a été fait avec des panneaux d'interprétation au Parc des Horizons. On avait, si vous vous rappelez, il y avait un montant de 40 000 $ qui était réservé pour le volet grand public du budget participatif. Puisque le projet de trottoir de bois était moins de 40 000, ce que le conseil a décidé de faire, c'est de prendre l'argent excédentaire pour réaliser un autre projet qui avait reçu beaucoup de votes, donc qui est la forêt nourricière. Et là, en cours de route, il y a plusieurs municipalités dans la région qui ont trouvé cette idée-là intéressante. Et il y a un projet qui a été développé qui s'appelle Forêt nourricière Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et c'est déposé par la ville de Passepébiac. Et il y a plusieurs municipalités qui vont se greffer à ce projet-là et ensemble, avec l'ensemble des municipalités, vont déposer pour aller chercher une aide financière, donc programme d'aide financière pour bonifier. Ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de réaliser comme prévu cet été le projet avec un budget d'environ 20 000 $ avec la présente résolution, on s'engage à adhérer au projet Forêt nourricière Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et ce 20 000 $-là va nous permettre d'aller chercher des subventions supplémentaires pour faire un projet d'une valeur estimée à environ 80 000 $. Donc, ça va nous permettre de bonifier le projet initial, de s'inscrire dans une démarche régionale avec une carte des forêts nourricières. Puis, ça va venir aussi avec
avec tout de l'affichage et donc il y a quelque chose d'intéressant qui s'intègre. Donc, c'est un projet piloté par le Conseil régional de l'environnement puis qui est déposé par la ville de Passepémiac. Donc, la présente résolution, ça vous convient, donc ça serait pour, dans cette résolution-là, on s'engage d'un à contribuer pour 20 000 $, un montant estimé maximal de 20 000 $. Et on autorise le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et la ville de Passepémiac à déposer des demandes de subvention pour le projet au nom des participants au projet régional. Ça vous convient? J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution. Proposé par M. Parent. Merci. Ensuite, au point 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, autorisation de signature pour l'installation de bornes de recharge rapide. Donc, le stationnement à l'est de l'hôtel de ville, il y a des bornes de recharge qui ont été installées. Ça s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Sauvé, où on a acheté à la ville deux véhicules électriques qui vont être disponibles en partage, qui sont disponibles en fait pour des gens de la population qui veulent l'utiliser et pour les employés municipaux. Et puis, on a installé l'abribus qui est dans ce secteur-là. Puis, voyant en fait ce dynamisme-là, si je peux m'exprimer ainsi, bien, Hydro-Québec nous a approchés pour installer des bornes rapides. Il faut savoir que initialement, les bornes de recharge rapide, des BRCC, sont sur le 400 volts. C'est des bornes donc encore plus rapides que le niveau 2, ce qu'on a à l'heure actuelle. Il y en a quelques-unes en Gaspésie puis au Québec. Initialement, les municipalités pouvaient, avec Hydro-Québec, payer une partie de la borne pour l'installer sur un terrain. Maintenant, c'est plus possible. C'est Hydro-Québec qui paye à 100%, mais ils décident où ils implantent les bornes. Et puis, voyant tout ce qui se passe dans ce secteur-là et à Carleton-sur-Mer, ils ont décidé d'installer deux bornes rapides, deux BRCC, directement dans le stationnement attenant à l'hôtel de ville à l'est. Donc, la présente résolution, c'est pour signer un protocole avec Hydro-Québec qui va nous permettre leur autoriser à installer ces bornes-là, c'est-à-dire deux bornes supplémentaires. Ça va nous permettre de réaménager ce stationnement-là. C'est un projet qu'on avait dans l'air aussi pour le rendre plus convivial, plus accessible, avec un accès directement sur la 132 plutôt que de prendre un petit chemin là, qui est un petit peu plus vers l'est. Donc, ce qui nous a freiné à faire ces aménagements de stationnement, c'est entre autres qu'il y avait un poteau électrique dans le milieu de l'entrée qu'on visait, l'entrée projetée juste à côté de l'hôtel de ville. Donc, puisqu'Hydro-Québec font les travaux, installent les bornes, eux doivent déplacer le poteau, donc ça rend tout ça accessible. Ça va permettre de rendre ce secteur-là encore plus dynamique et convivial. Donc, on est bien heureux. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour donner cette autorisation de signature. Proposé par M. Turcotte. Merci. Ensuite, à 8.2, achat de voiles d'ombrage. En fait, ça serait pour compléter, pour ajouter au parc des horizons. Il y a des voiles d'ombrage triangulaires. On ajouterait un rectangle un peu plus grand pour créer davantage de points d'ombre. Ce qui a été demandé par des utilisateurs de ce parc-là. Donc, on en a pour un coût total de 11 694. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cet achat. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. En 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire, offre de service 9.1 pour recommandation pour l'installation d'un système de traitement des eaux usées au centre de plein air, les Arpents Verts. Il y a quelques semaines, on avait donné un mandat à la firme Pesca Environnement pour faire une analyse de notre puits de captation d'eau aux Arpents Verts. La firme Arpo nous avait dit que le système serait désuet et serait à remplacer suite à une analyse qui a été moins poussée que ce qui était prévu, parce qu'on devait le remplacer complètement. Ce que Pesca s'est rendu compte, c'est que notre système de puits est quand même correct. Le problème qu'on a, c'est qu'on a notre système de notre fosse septique, puisard, en fait, qui est trop près de ce puits-là, d'eau potable. Donc, plutôt que de refaire le puits, ce qui est suggéré, c'est de refaire une fosse septique et un champ d'épuration plus loin, ce qui va nous permettre de corriger la situation avec la qualité de l'eau et de diminuer les coûts. Donc là, on ferait un changement, en fait, au mandat qui avait été donné à Pesca. Du mandat initial, ils ont réalisé pour 1 600 de travaux seulement. Et là, la présente offre de service pour faire les travaux est de 4 900 $ plus les taxes. Donc, pour tout préparer le rapport pour le système de traitement des eaux usées. Puis, évidemment, il va y avoir d'autres montants qui vont s'ajouter là, pour l'installation des équipements.
Donc, c'est une première étape à 4 900 $, ce qui va être... Donc, au total, ça va coûter moins cher que ce qui était prévu pour régulariser, pour s'assurer d'avoir de l'eau potable aux enfants verts. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 10 dossiers des travaux publics. Octroi de contrat de service pour la collecte et la disposition des eaux usées au camping municipal. Comme je le mentionnais plus tôt, avec la variation budgétaire, il y a un contrat distribution Leblanc installé un camion citerne tout près du garage camping municipal. Donc, c'est simplement pour octroyer le contrat. Dans la soumission qui nous a été déposée par Environnement Leblanc, bien, c'est un montant qui, selon le nombre de déplacements qui vont être faits, avec les estimations qu'on fait, on évalue à environ à 60 000 $ le contrat total. On va avoir une facturation régulière qui va être suivie, mais on peut pas, c'est difficile d'évaluer la quantité exacte de transport, de voyage qui va être nécessaire. Mais donc, on va y aller avec ça. Si ça vous convient, on aura besoin d'un proposeur pour octroyer le contrat à Distribution Leblanc. Environnement Leblanc, pardon. Oui, c'est proposé par M. David Landry. Merci. 10.2, demande d'analyse, feu de circulation au coin du boulevard Perron et de la rue du Quai. Récemment, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports pour l'avancement du projet de réfection de la 132. Lors de cette rencontre-là, ils nous ont notamment informé qu'ils ont fait des changements à la programmation du feu de circulation à la rue Comeau. Donc, il y a maintenant deux programmations, une programmation estivale de juin à septembre, puis une autre de septembre à juin. Pour compléter l'année. En période estivale, les feux vont être verts plus longtemps en direction S-Ouest sur la 132 que sur la rue Comeau pour faciliter les déplacements, accélérer les déplacements. Et ce qu'on a demandé au ministère des Transports, c'est de faire la même chose, de faire le même changement à l'intersection de la rue du Quai. Donc, pour encore une fois, pour améliorer la fluidité de la circulation. Et pour faire la demande en bonne et due forme, on va procéder par résolution. Donc, si ça vous convient, j'aurai besoin d'un proposeur pour faire cette demande d'analyse au ministère des Transports. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Sécurité publique, on n'avait aucun dossier. Prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance du Conseil aura lieu en août. Et là, j'ai oublié de me prendre en note la date. Le 3 août 2020. Ensuite, dans autre sujet, il n'y avait pas d'autres sujets. On pourrait passer au tour de table du Conseil avant de la période de commentaires et de questions. Donc, je peux y aller peut-être là, faciliter ça. Je vais commencer avec M. Turcotte à l'écran. Bonjour tout le monde. Rien spécial dans mes dossiers. Sinon, je vous souhaite un bel été, un beau mois de juillet. On se revoit au début d'août. Merci. Merci, M. Landry. Lequel? David Landry, pardon. Même principe pour moi, rien de spécial. Bon été à tout le monde. Merci. Monsieur Landry, Jean-Simon cette fois-ci. Ouais, j'attendais mon tour avec impatience. Pareillement, c'est assez tranquille de mon côté. Un mot, loin de moi, l'idée de jouer à la police. Simplement, un simple rappel que la situation qu'on vit de pandémie continue, même si... on le ressent moins dans notre quotidien. Donc, c'est l'affaire de tous de continuer à faire attention puis pour essayer de garder la situation sous contrôle. Donc, gardons nos bonnes habitudes, notamment le lavage des mains puis la distanciation physique. Bon été malgré tout. Merci. Madame Leblanc. Oui, vous m'entendez bien, oui? Oui. Donc, dernièrement, nous avons la ville a souligné le départ de Mme Sylvie Bernard après 42 ans. Je voulais vraiment dire un très gros merci pour sa belle participation parce que je siège sur le comité de relations de travail avec M. Antoine Audette. Et ça a été des beaux moments passés avec elle. C'était nouveau pour moi. Puis, je lui ai dit personnellement comme de quoi j'avais apprécié ses services. Fait que d'ailleurs, la ville avait souligné son départ la semaine passée. Fait que je lui ai dit, là, entre autres, comme de quoi qu'elle avait fait des bons... avait bien participé et tout, une belle collaboration. Fait que je voulais le dire publiquement comme ça. Un très gros merci. 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 Monsieur Landry? Monsieur Parent, pardon.
Oui, bonsoir tout le monde. Juste un complément d'information un peu sur quelques dossiers. Donc, le budget participatif, M. le maire a glissé un mot tantôt. Pour le parc des Horizons et le trottoir, là, pour le moment, il y a à peu près la moitié des lumières qui ont été installées. Il y a eu un peu des commandes qui ont eu du retard avec tout ce qu'on a vécu au printemps. Donc, tout devrait être installé. Puis, il y a quelques lumières aussi qui sont défectueuses, mais tout devrait être installé début août environ, si tout va bien. Donc, les affiches, les panneaux d'interprétation sont déjà installés, comme M. le maire l'a mentionné tantôt. En ce qui trait au volet jeunesse pour le budget participatif, le terrain de balle, les travaux devraient commencer dans quelques semaines. Sauf encore là, il y a eu un peu de retard pour les raisons qu'on connaît. Donc, vers fin juillet, donc nos jeunes devraient pouvoir jouer à balle cet été, si tout va bien. Puis le piano aussi. Le piano a été acheté. Là, on en attend d'une boîte pour le protéger, donc au Parc des Horizons, encore au mois d'août, à quelque part au mois d'août, ceux qui savent jouer du piano pourront venir au parc puis l'essayer, parce que ça avance très bien. Puis, quelques informations au sujet du quai, ça va bien là aussi. Le quai, là, la grosse partie du quai devrait terminer pour le début. Ce qui va manquer, c'est l'asphaltage qui devrait aller au mois de septembre. La compagnie ne pourra pas arriver avant le mois de septembre ou plus tôt pour compléter cette partie-là. Puis il y a aussi la façade A à l'intérieur, la pale planche qui est côté Parc des Horizons, si vous voulez. Là. Ce côté-là ne sera pas fait début non plus. Là. Il y a peut-être un peu plus de travaux à faire que prévu. Là. Mais la grosse partie du quai va terminer pour début mi-août. On a bien hâte de voir ça. C'est tout pour moi. Merci, M. Parent. De mon côté, peut-être mentionner, là, j'ai parlé du projet 132, de la rencontre avec le ministère des Transports. Là, c'est quand même un projet majeur, vous le savez, qui est dans les cartons de la ville depuis plusieurs années, au moins depuis 2009. On a eu une super belle rencontre. Il y avait 12 représentants du ministère des Transports, tant du bureau de Rimouski que du bureau de New Carlisle, pour nous parler un peu de l'avancement. Là. Je vous dirais qu'à la Ville, on travaille très fort sur ce dossier-là pour un peu, parce que c'est un projet qui va se faire conjointement. Nous, la Ville, on a des conduites à remplacer, l'égout, l'aqueduc. Le ministère des Transports, eux, ont des conduites au niveau de pluvial, de drain pluvial à remplacer. Donc, on va avoir tous les deux à travailler en même temps. Donc, on doit se concerter, travailler ensemble. Nous, ce qu'on a fait à la Ville dans les derniers mois, c'est un peu monter notre argumentaire puis les raisons qui nous poussent à aller de l'avant avec ce projet-là. Le ministère des Transports a maintenant adopté un plan de mobilité durable. Donc, ils prennent en considération plusieurs aspects. C'est plus juste les véhicules, l'automobile. Ils regardent la sécurité des piétons, des gens à pied, à vélo. Et donc, nous, on a vraiment travaillé très fort pour déposer un document au ministère il y a quelques semaines, quelques mois. Et à partir de ça, eux ont étoffé leur projet. Donc, ça a été une super belle rencontre. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Je suis bien heureux du dénouement. On se dirige vers un dépôt du projet au comité ministériel. Donc, il doit avoir une approbation par le comité ministériel pour pouvoir poursuivre et continuer à travailler pour faire le premier point de contrôle, la première étape dans ce projet-là. Donc, on est très positif, ça augure bien. Je vais simplement vous informer de ça. Il faut savoir qu'on est quand même d'un horizon de plusieurs années. Là, on parle d'un horizon de 4 à 5 ans avant la réalisation, puis avant d'avoir complété les travaux. Mais on se doit de passer cette première étape-là. Et malgré le fait qu'on travaille depuis des années sur ce dossier-là, on a déjà avancé. On a été obligé de reculer là, suite à tout scandale des commandites. Puis il y a des nouvelles procédures qui ont été mises en place au ministère, puis tous les projets qui étaient en cours ont retombé à la case de départ et ça faisait partie de le nôtre faisait partie de ça. Donc là, on travaille depuis, comme je le mentionnais, là, on travaille à développer ça, puis je suis bien confiant pour la suite des choses. Donc, c'était une très belle rencontre qu'on a eue récemment. Aussi, depuis quelques semaines, on a le règlement sur les chiens qui est entré en vigueur. Donc, tous les propriétaires de chiens doivent enregistrer leurs animaux de compagnie, doivent avoir une médaille. Et on a confié le mandat de la gestion des médailles, notamment au réseau de protection animale. Ça va très bien jusqu'à présent, mais je vous encourage ceux qui ont des chiens à la maison à les enregistrer. Ça coûte 20 $ par année par animal. Ça va garantir aussi le réseau de protection. Ensuite, si un chien qui est errant, qui est perdu, bien, le réseau va se charger
de le récupérer puis de le redonner à son propriétaire, donc d'offrir ce service-là. Puis il y a des dispositions dans ce nouveau règlement-là qui encadrent les chiens qui sont jugés dangereux par un vétérinaire notamment. Donc voilà pour les nouveautés des dernières semaines. Je pourrais passer à la période de commentaires et questions. Dans l'outil de questions, j'ai une première question de Mme Laviolette qui dit « J'aimerais apporter votre attention sur le fait que plusieurs personnes se plaignent dans ce qui concerne les petites marches ou dénivellations qui se trouvent sur le plancher. Dans la partie la plus large du trottoir situé à l'agora, lesquelles ne sont pas assez hautes pour les voir, ce qui fait que plusieurs s'enfargent ou tombent en souhaitant que vous y trouviez une solution avant qu'une personne ne se blesse sérieusement. Peut-être une couleur de peinture pourrait faire la différence. Merci de votre portée attention à notre sécurité. PS, courriel transmis le 2 juillet à la ville. Je suis pas au fait du courriel, là. Je ne sais pas à qui a été envoyé, mais je peux vous dire que c'est une problématique qui a été notée puis qui, si elle n'est pas corrigée, elle sera corrigée sous peu, là. Le responsable des installations du développement touristique, là, M. Bernier, est au fait de ça. Puis je sais qu'il y a il y a différents aménagements qui sont faits. Là, tout à l'heure, par résolution, on a adopté l'achat de toitures d'abri pour des toitures d'ombre. C'est tout pour rehausser un peu la qualité de ce secteur-là. Le piano public aussi va être dans ce coin-là. Puis je sais qu'il y a des interventions qui vont être faites pour corriger cette situation-là. Donc, si ce n'est pas fait, ça sera fait sous peu, Mme Laviolette. Ensuite, j'ai une autre question, Mme Novak. Existe-t-il un règlement ou prévoyez-vous de déposer un règlement de l'utilisation de l'eau potable comme d'autres municipalités l'ont fait, réduction voire interdiction de l'arrosage de gazon, nettoyage des voitures, etc.? On a un règlement là-dessus. Peut-être que M. Audit, là, je ne sais pas si vous avez l'information, là, entre autres sur l'arrosage, parce qu'en soirée, ce n'est pas permis. C'est pas un règlement qui est très, très contraignant de mémoire là, comparé à d'autres municipalités. Là, on a fait des vérifications dernièrement. Là. Il y a beaucoup de municipalités avec la sécheresse qui avaient les enjeux d'approvisionnement en eau potable, ce n'est pas notre cas. Ceci dit, au-delà de cet enjeu-là d'approvisionnement, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir à limiter la consommation excessive d'eau. On pourrait revoir le règlement qui est en vigueur là, en toute franchise. Là, je ne connais pas tous les détails. Peut-être que M. Audet, vous avez certains éléments supplémentaires. Si oui, vous pouvez nous les dire. Oui, oui, bien, effectivement, on a un règlement. On a vérifié qu'ils sont tous... quand même assez restrictif. C'est un document qui date de 2012 et qui restreint vraiment là, pour l'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes et autres végétaux. Là, c'est seulement entre 20h et 23h que c'est permis. Là. Donc, en dehors de ces heures-là, ce n'est pas permis. C'est permis, je dirais, pendant, je pense, 15 jours pour des nouveaux aménagements. Et dans le fond, puis après ça, tout ce qui est nettoyage, là, la question était posée, nettoyage d'entrée, de murs, etc. Ça n'est que permis du 1er avril au 15 mai. Alors, je vous dirais que la situation printanière nous a fait relire notre règlement. On s'est dit déjà, ne serait-ce que de promouvoir, de faire connaître ces restrictions-là à la population pourrait aider, d'un, puis effectivement, d'avoir peut-être des mesures plus strictes, là, éventuellement, tout dépendamment comment la situation évolue. Là, on le voyait, il y avait beaucoup des alternances de numéros civiques au niveau de l'arrosage. Ceci étant dit, on a surveillé nos puits. Je ne dis pas que ça justifie qu'il ne faut pas restreindre le gaspillage d'eau potable, mais le niveau des puits est demeuré relativement stable malgré la sécheresse. Donc, c'est quand même une spécificité là, qu'on avait peut-être par rapport à d'autres municipalités qui avaient vraiment des problématiques de niveau de leur pluie. D'accord, merci pour les précisions. Donc, c'est un commentaire qui est bien reçu. Là. On pourrait peut-être, mais comme vous voyez, là, on a quand même plusieurs restrictions. Là. On pourrait prendre le temps de le regarder avec le conseil, voir s'il n'y a pas lieu de modifier. Mais voilà ce qu'on a comme information pour le moment. On va revenir à la prochaine séance publique là, ultérieure. Ensuite, j'ai une question. Je trouve la situation de l'aéronnière très dommage. Je comprends que la Ville peut difficilement intervenir étant donné la position délicate de la Ville. J'aimerais entendre votre point de vue. Bien, en fait, la coopérative l'Aéronnière est installée sur un terrain qui a été prêté par le propriétaire d'Armand Automobile. C'est une entente historique. Et puis, ils doivent déménager le bâtiment à la fin de la présente saison. Je vous dirais que depuis... plusieurs mois, on a eu plusieurs rencontres entre différentes personnes à la Ville et les représentantes de la coopérative.
au niveau du conseil, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, M. Turcotte aussi, puis Mme Leblanc, avec notre directeur général, avec Alain Bernier aussi au niveau directeur du développement économique et du tourisme, pour essayer de les aider, de voir avec eux quelles sont les solutions possibles. J'ai référé vers la MRC aussi, je me suis assuré qu'il y a un accompagnement fait par la MRC qui offre certains programmes de financement. Donc, on a travaillé ce dossier-là depuis. Il y a M. Pascal Alain aussi qui a déjà été impliqué. C'est une situation qui est difficile. Nous, à la Ville, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert un espace pour où, s'ils souhaitaient déménager leur bâtiment, où ils pourraient s'installer dans un futur hameau commercial qu'on souhaite développer là, dans le secteur de la Brûlerie du Quai. Donc, il faut savoir que c'est des terrains qui sont très convoités, qui sont dans un espace qui va être en demande puis qui va être très fréquenté dans les prochaines années. Donc, à notre avis, c'est quelque chose de super intéressant, mais malheureusement, à l'heure actuelle, ce soir, en date du 6 juillet, ils n'étaient pas en mesure de payer les frais pour déplacer ce bâtiment-là. Je vous dirais qu'on continue nos discussions. J'avais encore des échanges à ce sujet-là aujourd'hui même, et puis j'ai des appels à faire sous peu. Donc, la Ville est très désolée de cette situation-là. En fait, là, on trouve dommage que la coopérative en soit rendu là pour les raisons qu'on connaît malheureusement, mais on prend acte de ça, puis on est en mode solution. Mais les solutions sont pas si simples que ça à trouver, mais on poursuit notre travail là-dedans. Donc voilà pour la Héronnière. Ensuite, j'ai une autre question, Mme Novak. Oui, bien d'accord, plan d'imitation, s'il vous plaît, dans cet lien avec la question suivante sur l'économie d'eau potable. Marie Novak, est-ce possible de pousser, promouvoir ce règlement pour favoriser l'éducation? On va le regarder, oui, comment on peut rappeler aux gens des consignes en vigueur pour l'utilisation de l'eau potable. Assurément, on pourrait faire des communications dans Hublot ou sur les réseaux sociaux à cet effet-là. C'est une suggestion qui est bien entendue. Ensuite, j'ai une bravo à la Ville pour la pose de lumière qui éclaire la promenade de bois et l'installation de deux panneaux d'interprétation. Je suis bien fier d'avoir proposé ce projet dans le cadre du budget participatif. On commence à découvrir qui est là. Bien heureux de ça. Là, comme M. Parent mentionnait tout à l'heure, il manque encore des lumières. C'est difficile d'avoir accès à ces équipements-là, mais déjà, on vient de rehausser la qualité de ce site-là qui était déjà superbe. Donc, merci, Mme Allard, d'avoir proposé ce projet-là. Ensuite, Mme Novak, merci bien. J'espère que ce règlement sera plus connu dès cet été. Bonne soirée, merci pour tout le travail. Merci pour les commentaires. Et j'ai une dernière question qui est combien de personnes assistent à la réunion? Là, à l'heure actuelle, il y en a 8. Il y avait 9 personnes un petit peu plus tôt. Puis, il faut savoir qu'une fois que la réunion est terminée, elle va être disponible. La vidéo va être mise en ligne sur le site web de la Ville. Donc, il y a des gens aussi qui vont aller dans les prochains jours consulter cette réunion-là. Donc, on a 8 personnes. Peut-être vous mentionner que samedi dernier, donc en fin de semaine, la ministre des Affaires municipales mentionnait que c'est dorénavant possible de tenir des séances publiques en public. À personne. Pour ce soir, c'était un petit peu trop rapide pour nous pour organiser la séance. On va le regarder, on va en discuter avec le conseil en vue de la prochaine séance publique du mois d'août. Ça va être difficile de tenir des séances publiques dans notre salle habituelle. On évaluera la possibilité d'aller à la salle Charles Dugas pour la prochaine séance. Donc, ça va faire partie des discussions dans les prochaines semaines, puis on vous tiendra informé s'il y a un changement, si on poursuit par webinaire comme ce soir ou si encore on va en présentiel dans un autre espace. Donc, ça sera à suivre dans les prochains jours. On vous informera dès qu'on a pris une décision à cet effet-là. Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait procéder à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour fermer la séance. Proposé par M. Landry. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à cette séance-là. On va vous souhaiter une bonne période estivale. Profitez bien de l'achalandage touristique pour profiter de nos merveilleuses villes et des autres secteurs de la Gaspésie du Québec. C'est le fun aussi d'aller voir ailleurs, des fois, de se comparer. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye-bye.